Bonjour à tous et à toutes, je suis Alice et nous sommes partis pour la troisième partie, enfin la deuxième partie du chapitre 3 de l'épisode 4. J'essaye de pas me tromper pour que tout le monde se situe bien. Bon, donc on continue avec les phases de discussion qui nous sont proposées. Afin d'en savoir un peu plus sur l'histoire. Nécessaire. Donc le client, qui pourrait être S? Ça m'étonnerait fortement, perso. Ça me semble évident. Là, c'est l'évidence. Je me souviens. Enfin, moi je me souviens plus, mais lui se souvient. Ah oui, c'est vrai. Ah mon Dieu! Je sais pas. Voilà, problème réglé, on va voir en garde à 21h30 du soir. La logique. On trouve toujours des moyens pas légaux d'arriver à nos fins, c'est évident, tout le monde le sait. Merde. Voilà. Ah super, on va rejouer avec. Là, je te hais, Hunter, gentiment. Je te hais, salaud. Non, tu crois, je l'ai trouvé. Mais bien sûr. Oublie ce que tu viens d'entendre, toi. Ah mon Dieu, un autre secret! Mais bien sûr, je te crois. Alors perso, ça m'étonnerait que ce soit Eva, parce que d'après Hunter, la confection sublime et d'une rareté de cet ours ne se trouve pas n'importe où. Voilà, c'est ça.
Oui, elle est morte. On sait, c'est tout ce que j'ai retenu pour le moment. Ah mon Dieu! Ça alors! Mais avec qui allait-elle se marier? Nous n'avons jamais eu dans la liste, et surtout pas dans l'épisode précédent. Ah bah en plus. Oh ça c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, madame. On ne peut pas se suicider comme ça. Attention! Eh ben non, c'est pas ce que je pensais. Je pensais qu'il allait y avoir un duel psychique. C'est con. C'est complètement con de se suicider. Je veux dire, sert à rien. Si je te présente des objets, est-ce que tu vas parler? Ah, évidemment. Bon, on a droit au même dialogue que je ne peux pas passer les premières fois. La photo des non, y a rien d'intéressant. Non, rien d'intéressant. Déplaçons-nous. Dans les halls. Un autre trigger s'enclenche. Ouais, et qu'est-ce que tu veux que je trouve? Je ne vois rien. Mais j'en ai nettoyé par trois caméras. Allons dans le living room. Qui n'a pas bougé. La vanité dort sans plus, quand même. Le visage recousu. Ah, c'est un visage recousu. Ah, moi, je pensais que c'était une espèce de chaîne ou quelque chose. Tout ce qu'il a trouvé, c'est un chat. Mais s'il est couché, tant mieux. Ouais bon, y a rien. Il n'y a rien. Je peux rien faire. Essayons. Bah les affaires criminelles. Il bosse au jour. Et il est anachronisme, c'est subtil. Il y a de la lumière qui sort des fenêtres. À 9h30 du soir. Ah tiens donc, mais je ne sais pas qui c'est donc. Hunter, ma main. Ah, j'ai une petite idée. Cool. Ouais. Bon, bah j'ai bien fait d'aller aux affaires sans de détention. Matt, il est temps de dire la vérité. La vérité.
Ok, il faut bien choisir. Bah, maths en premier. Oh, tu te calmes, hein? Calme-toi. Oh. Bon, on se calme. De quoi nous parler, Matt? Bon, d'accord, que ça. Non, mais j'essaie de comprendre, c'est tout. Faut que j'analyse tout le bordel, que je sois flex, décontracte. Non. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Tout à fait. Je suis d'accord avec ça. Ta maman, je vais rester poli. Bon, ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire, je vais déjà utiliser le Megatana pour avoir une première idée de ce qu'il faut faire. Et voilà. C'est une bonne question. Bon. Putain, mais y'a trop de chaînes, y'a trop de verrous, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Allons-y tranquillement. Donc à ce moment-là, il faudrait sans doute... Ok, j'ai plus de barre de psychisme. À ce moment-là, il faudrait sans doute que je récupère la caméra. Très bien, je comprends. Ça va, j'ai compris. Se déplacer. Retour aux affaires. Ah bah tiens, c'était Lante. C'est con la vie. Laisse-moi du nez, tu dormis tranquillement. Discuter avec toi. Donc qu'est-ce que tu vas dire? Un truc important.
Ouais. Je ne sais pas. Peut-être à moi? J'en ai plus. J'ai pas que deux amis. C'est méchant de dire ça. Oui, évidemment. Évidemment. Ça se comprend. Oh mon Dieu! Bah évidemment. Trop. De quoi? Ouais. Si tu veux. Si ça te fait plaisir d'ailleurs. Je sais, on ne l'a jamais retrouvé. D'ailleurs, je sais, on me l'a déjà dit. Des choses négatives. Ah mon Dieu, la musique a changé. Il se passe des choses. M'attends garde peut-être. Je sais pas. Il faut trouver un moyen de les faire parler. Retourne au centre de détention. Détention délicieuse. Andrea. Changeons un peu. Ça va, tu te plais en prison? Tu sais des trucs? Mais je suis ici pour les deviner. Je voulais pas faire ça. Mensonge! Depuis le temps, il aurait pu la déchirer, la brûler, la jeter, faire ce qu'il voulait. Et la brûler? Je veux cette main. Enfin non, je veux cette lettre surtout. Et la main qui la prend. T'as aucune preuve? Non, non plus d'ailleurs. C'est totalement méchant. Alors, question, est-ce que je vais devoir m'occuper d'une affaire et d'une autre affaire qui s'est déroulée dans le passé? Non, parce que si on compte, en fait, j'ai résolu plus que 8,
9 à faire, là. J'en ai résolu au moins... au moins une bonne douzaine, à ce compte-là. Un voyage dans le temps, c'est ça. Waouh, ça est direct. Combat psychique. C'est bon, il est simple. Ok, il est extrêmement simple. Mais, si on n'a qu'un seul, ça veut dire qu'il y a un piège. Je suis sûr qu'il y a un piège. Non, reviens, espèce de con. Je tente le piège. Ça sent le piège, perso. Une chose ou une personne. La réflexion. Non, je peux rien faire pour le moment. Je ne vois absolument pas de quoi je ne vois pas du tout. Je ne vois vraiment pas. Je reste soft. Et calme. Juste la musique, elle est trop bien. Bon, et puis les développeurs sont fait chier à faire une musique pour téléphone dans un jeu. Ça rend le tout encore plus incroyable. Et ça donne envie de tout écouter. Moi j'aime bien. Je voulais pas te voir. Je voulais pas t'entendre. Ah bon? Wow, magnifique. Wow, c'est génial. Ah bon, bah tu vas vraiment la rendre d'ailleurs. J'en ai besoin pour une preuve. Ouais. Oh mon dieu, et c'est... roulement de tambour. Wouh. Bon, qui avait deviné? Personne. Je peux récupérer l'ours en peluche, il me faudrait... Bah, vu qu'il y a l'image, ça veut peut-être dire que je vais devoir utiliser comme preuve. Oh putain de nom. Ok, il me faut le reçu et l'ours. J'ai une reçue et une carte de crédit, tu me rends la caméra, s'il te plaît. J'en ai besoin en fait. Merci beaucoup. Oh
Ou alors le piège, c'est que ce soit Matt en garde qu'il faut interroger en premier, et ensuite André Alandry. Et là, le développeur serait... serait salaud. Mais le mind game à avoir serait génial. Le mind game de faux, quoi. Des morts. Bon, je vais parler de tout cela. Où vais-je devoir aller? Ah, je sais! Vu qu'après, je pense avoir tout ce qu'il faut. On est parti! Ah bah, en plus, c'est Matt. C'est tant mieux. Vous savez ce que ça veut dire! S'il y a un trigger pareil, c'est l'heure du tunnel! J'ai un fou dans ma tête. J'ai tout compris. Je sais tout mon bla 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 bla. Tu faisais attention parce que... Et des transmetteurs. La caméra que j'ai. Oui, exactement. C'est là que c'est drôle. Dans un ours en peluche. Bam. Direct. Je suis sûr. Ah oui. Mais qui d'autre? De mourir, n'est autre que Matt en garde vous-même. Ça ne veut rien dire. Oula, il y a eu un petit ralentissement. Ok. Voilà, attention, là je suis légèrement perdu. Ah oui, c'est vrai. Là. Dans ton cul. Oh yeah. Bien sûr. Oui, on y croit tous. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ah, j'ai envie de vomir. Oui, il n'y a plus que 3 verrous. Je suis presque à la moitié. Alors là, la raison. Voilà. Il faut réfléchir. Oh putain, c'est toute ma barre de psychisme qui est en jeu. Piffage. Je piffe là. Du grand pif. On change tout de suite de musique là, hein? Exactement.
Là, il commence à flipper là. Il commence à perdre tout esprit psychique. C'est parce que vous êtes un gros justicier, vous vous foutez de ma gueule. Vous êtes son client. C'est la vérité. Voilà pourquoi tu es un assassin. Assassin, c'est vous. Non mais t'as ah, c'est drôle. Youhou! Oh putain de nom. Comment dire cela? Oui. Je laisse la musique pendant que je réfléchis des secondes. Schizophrénie. Voilà. Je cherchais le mot. Mais non! Le principal, c'est que t'as menti et puis que t'es schizophrène, quoi. Oh, c'est méchant. Pardon? C'est con, ça. Beaucoup trop. Ah. Donc ce n'était pas pour Johan Koleida, et pour le tueur. Très bien, ça se comprend. Putain, ça parle mal, ça trash talk. Putain, le scénario est puissant. Un personnage schizophrène, quoi. Une musique qui te met dans l'ambiance directe. Ouais, enfin bon. Oui, tout le monde le fait. La muerte. Ah bah oui, évidemment. Ça paraît simple comme ça. Ouais, alors moi j'ai eu un petit doute au procès. Hein. Peut te coller un pain en fait. Ah, c'est vrai ça. Donc il y a du sang sur les mains, mais indirectement.
pas la même chose. Je te hais. Oh putain, le challenge t'es fou quoi. Putain, mieux que les insultes dans le film Batman de 60. Oui, évidemment. Salut! Par contre, tu poses ton verre. Et salut Hunter d'ailleurs. Ellipse, de fou! Avec la musique qui se remet! Tu l'as pas vu venir celle-là? J'en sais rien. Je suis pris entre deux feux. Hunter, tu sais que je déteste. Très franchement. C'est le boss final du jeu. C'est trop bien. Des twists scénaristiques de fou. Oui, c'est vrai. Je sais. C'est un peu con. Révélation. Oui, j'ai rien compris comme d'hab. Oh, la phrase cliché. Mais pourquoi lutter dans un monde aussi faible. Ah, c'est méchant ça. Ah, c'est méchant. Ça trash talk sévère. Voilà, le téléphone qui dérange, ça fait plaisir. Oui. Donc ça. J'ai un appel.
Oh mon dieu. Oh mon dieu. On veut savoir. C'est-à-dire... Oui, évidemment. Et bien sûr. Ah mon dieu, le nom entier. Tu ne termineras pas celui-là. C'est le dernier. Parce que le jeu l'a décidé. Ah. Tu viens de te faire douiller. Trop. Les chats, c'est le bien. Les chats, c'est trop bien. Ça aide le peuple. Ouais. Alors justement. Non, c'est bien ce que je pensais. Allons. Libérer Maya. En plus, je m'en serais douté depuis... Allez, 2 heures de jeu. Et pas qu'un peu. Hein. La plus musique épique. Trick. Il y a un ours. Devant la litière. Devant la chatière, quand même. Faut faire. Voyons, examinons la scène sur la musique épique. Voyons. La moto? Non. La cheminée? Peut-être pas. Les masques? L'ours! Figurine ajoutée au dossier. Ça aide pas. On sait tous qu'on adore défoncer des portes. Toute la vérité! Il reste une porte, il faut la défoncer! J'ai pas vu la chatière là. Réfléchissons. Bon, ouais, tu m'aides pas, right? Bon. Y a rien à faire. Je peux me déplacer. Ah, je peux me déplacer dans la cave. Un cellier.
Merci Hunter. Bon, alors, je vais pas vous mentir, mais ça, c'est un trigger. Une seconde. Ah mon dieu! Il y a quelque chose, Maya. Trop. Message psychique, c'est trop bien. Nous avons fouillé toute la mer. Hunter, la maison. T'as oublié deux mots, s'il te plaît. Enfin, deux lettres, plutôt. Le duel final de Landry. Est-ce que je vais faire un duel psychique au tribunal? Ce serait tellement cool. Bonjour. Oui. Non, je suis n'importe quoi, moi. Le duel final. It's time to Et j'ai la preuve ultime. Merde, c'était pas ça. Je suis dans la... C'est la bite. C'est la merde. C'est la grosse daube. Ah mais non, mais je suis con. Ah ah, c'est drôle. Non, tu vas rire, j'ai fait une faute en fait. Faut que je te présente un portrait. C'était évident. C'était aussi un modèle. Alors, pendant que ça a fait un fondu, si vous avez remarqué, le premier plan a disparu. Le premier plan avec les chaînes et le verrou. Un rapport. La raison est simple. La photo parle d'elle-même. Dans un nombre 1. C'était le dernier combat du jeu. Je suis full psyché maintenant.
Je ne pouvais rien dire de rentrant d'émotion. Le fameux petite histoire arrivera bientôt. Si vous aussi vous avez été touché par ce twist scénaristique, je vous invite à pauseriser la vidéo, à laisser un commentaire sur l'émotion que vous avez ressentie. À vous abonner à la chaîne, à vous suivre sur Twitter, bon, Bazaus1. Bon jeu, et à la prochaine.